J'ose espérer que nous aurions peut-être pu travailler ensemble dans une atmosphère de confiance et de respect mutuel. En juger par votre bref passage à Black Mesa lorsque j'étais administrateur, vous auriez pu devenir un élément prometteur et productif pour la recherche de scientifiques. Pourtant, je ne comprends pas ce que j'ai appris. Mais il n'y a pas de place pour un physicien dévoyé dans ce projet. Thank you.
acheter. Cela en vaut-il la peine? Entre les membranes où les dimensions se croisent, impossible à décrire avec notre vocabulaire limité. Ce que j'ai vu est aussi inqualifiable, Brin. Un génocide, un mal indescriptible.
mon Dieu! Eh bien, si ce n'est pas Gordon Freeman, enfin! Qu'est-ce que c'est? Apposez ça là-bas. Recevez ma gratitude, docteur. D'abord, vous me conduisez jusqu'à mon plus vieil ami, puis vous vous livrez. Si j'avais su que vous viendriez directement à mon bureau, je n'aurais pas pris la peine de vous pourchasser. Je vous ai tous les deux sous mon emprise. Je peux négocier n'importe quel marché avec le cartel. Docteur Breen. Wallace. Oui, Judith, qu'y a-t-il? C'est pour la vie d'Eli qu'on devrait conclure ce marché, pour qu'il poursuive ses recherches. Grâce à vous, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Vous êtes plus que qualifié pour finir ses recherches seul. Aucun de nous ne peut convaincre cette racaille dans les rues d'abandonner sa lutte insensée. Mais Eli refuse de prononcer les mots qui les sauveraient. Les sauver? Pourquoi? Eli, si vous ne faites pas votre devoir pour le bien de tout le monde, peut-être le ferez-vous pour l'un d'entre eux. Alix, mon ange. Papa! Gordon? Non. Bon sang, Breen, lâchez-la! Tout dépend de vous, mon vieil ami. Laisserez-vous votre étroitesse d'esprit condamner notre espèce, ou... donnerez-vous à votre enfant la chance que sa mère n'a jamais eue? Comment osez-vous parler d'elle? Ma chère Alix, vous avez les yeux de votre mère, mais vous êtes têtue comme votre père. Et vous n'avez encore rien vu. Vraiment? Voyons si cela vous sera utile de l'autre côté d'un portail du cartel. Allez-y, Breen. Si c'est le pire que vous puissiez faire, téléportez-nous. C'est loin d'être le pire. Mais une fois là-bas, ce sera difficile à croire. Ce n'est pas nécessaire. En effet, c'est un tel gâchis. Heureusement, la résistance est prête à accepter un nouveau leader. Et celui-ci est un pion docile pour ceux qui le contrôlent. Non! Ne l'écoutez pas, Gordon. Qu'en pensez-vous, docteur Freeman? Saviez-vous que votre contrat était ouvert aux plus offrants? Gordon n'aurait jamais rien négocié avec vous. Je comprends si vous refusez d'en parler devant vos amis. Laissez-moi les renvoyer et nous parlerons librement. Ne te débats pas. Papa, je suis vraiment désolée. Alix, mon cœur. Judith, mais qu'est-ce que vous faites? On fait ce que je n'aurais pas pu faire toute seule. On vous arrête. Oui. Garde, allez-y! Ils savent que vous les avez trahis. Ils vont se retourner contre vous. Judith, Dr Mossman, pitié! Désolé, Wallace. Vous arrivez trop tard. Non. Vite! Papa, tiens bon! Imbécile! Attention, il va! Non! Pas le temps, Alix. Il va arriver au portail. Vous aurez besoin de ça. Docteur Mossman, Judith, prenez soin de mon père. N'ayez crainte. Papa, ce n'est pas un adieu. Jamais. Venez, Gordon. Allons-y. C'est ma fille. Gordon, on ne se connaît pas beaucoup, mais... je sais que vous n'étiez pas obligé. Je devais sauver mon père, mais vous... merci d'être venu avec moi. C'est à moi que vous devriez penser. Hé, écoutez. Je peux encore vivre. C'est lui. Mais j'ai besoin de votre aide. Cette destination est intenable. Vous pouvez régler le relais ailleurs. Impossible de survivre dans cet environnement. Corps, les antennes, impossible. Le voilà. Oh, d'accord. Bon sens, il le faut vraiment. Vite! Il est derrière moi! Bon sang! Bon sang, encore! Hé! Hey, regardez ce qu'il a laissé. Le pistolet. Il n'en sait rien du tout, en fait.
Je me demande où il va. Oh mon Dieu. C'est le réacteur à fusion par levier de la citadelle. Il fait fonctionner le dispositif de creusement. Une chance comme ça ne se représentera plus. Il faut qu'on arrête le docteur Breen. Je ne peux pas l'éteindre. On dirait qu'il a pris le contrôle de l'autre monde. Allez dans le noyau et faites ce que vous pouvez. Allez dans l'ascenseur et je vous laisse passer. N'oubliez pas de recharger votre combi. Allez-y, Gordon. Mais soyez prudent. Docteur Freeman, vous ne devriez pas rester là. Au moment de la synapse, lors de ma téléportation, cette pièce sera baignée de particules mortelles que la science doit encore nommer. Quand j'aurai le temps de m'atteler à cette tâche, je leur donnerai peut-être votre nom. Ainsi, vous ne tomberez pas complètement dans l'oubli. Quand la singularité s'effondre, je serai loin d'ici. Dans un autre univers, en réalité. Vous, par contre, serez détruits de toutes les façons imaginables et même inimaginables.
pas ça. Bon sang! Gordon! J'étais si inquiète. Hé, hey, le pistolet! Donne-le à Gordon. Regardez, Gordon. Chien est content de vous voir. Ça se voit. Ok, chien. Va installer l'écran pour communiquer avec papa. Très inquiet. Et il pensait que je ne me trouverais pas ici. C'est mon père. Entre, ma chérie. Papa. Papa, tu es là? Alex. Alex, entre. Attends, il y a des interférences. Chien, aide-moi un peu avec ça. Plus à droite. Ça y est. Stop. C'est bon. Papa. Alex, où es-tu? Oh mon Dieu, dis-moi que tu es hors de la ville. Pas tout à fait, papa. Quoi? Mais on l'a trouvé. Tu as trouvé Gordon? J'y crois pas. Écoute, vous devez tous les deux quitter la ville. La citadelle peut exploser n'importe quand. Elle va effectivement exploser, j'en ai bien peur. Nos capteurs à distance indiquent que le processus s'accélère vers un feu d'énergie vide. Ici, toutes les personnes restées dans les environs subiront des événements énergétiques Isaac, dont les effets sont hors de mes pouvoirs de spéculation. Les ravages sur le matériau cellulaire sont... Kleiner, non! Papa? Oh mon Dieu, je suis désolé, Ellie, mais nul besoin de s'alarmer, n'est-ce pas? Alix est totalement hors de danger, maintenant. On n'est pas encore sortis de la citadelle. Comment, mon Dieu? Nous n'avons plus le temps. Le noyau va bientôt fondre. Impossible de s'éloigner suffisamment sans d'abord... Eh bien, seule une intervention directe dans le noyau pourrait peut-être retarder la réaction. C'est-à-dire entrer? Dans le noyau, oui. Mais c'est bien trop dangereux. La chambre va être inondée de radiation. Bah, vous avez la combi CEH. Si on arrivait à rentrer dans la citadelle, on pourrait... Alex, non! Mais papa! Izzy, essaie un peu de la raisonner. Désolé, Ellie, mais je ne vois pas d'autre moyen. On pourrait évacuer plus de citoyens. Papa, on peut le faire. Ok, Alix. Ok, ok. Promets-moi juste... Promets-moi seulement que tu ne prendras aucun risque inutile. Je te le promets. Je t'aime. Je t'aime aussi, ma chérie. Je prierai pour toi. T'en fais pas. On se revoit bientôt. Ouais. T'en fais pas. Essayons de trouver un accès à la citadelle en suivant l'enceinte. Chien, tu peux m'aider? Merci. Remballe ça et rejoins-nous sur la partie la plus éloignée. Waouh! Quel gouffre! Vous, Gordon.
Merci. Remballe ça et rejoins-nous sur la partie la plus éloignée. Ça va ? Oh, Dieu merci. J'ai vraiment eu peur. Tu restes avec nous. Et aide-nous à trouver un chemin. Dire qu'on essaie de retourner dans cet endroit, ça va pas être facile. Eh bien, chien, qu'en penses-tu ? T'as une idée ? Ok, chien. Ça nous aide pas. Il doit y avoir un moyen de passer. Mais comment ? Mais que ? Chien ? Chien, tu vas où ? J'ai dit quelque chose de mal ? Hein ? Chien, mais qu'est-ce que ? Chien a besoin qu'on lui resserre des boulons. Chien, c'est vraiment pas passé loin. Mais qu'est-ce qui te prend ? Tu crois vraiment que ça va nous aider ? Quoi ? Attends. Ah non. T'es pas sérieux ? Si ? Eh bien, Gordon, si vous n'avez rien d'autre à proposer, c'est un robot, il a compris. Tu as bien compris. Ouais. Je veux que tu sortes d'ici aussi vite que possible. Va chercher papa. On te retrouvera, t'en fais pas. Ah ! Allez, ça va aller. Tu vas me manquer. T'en fais pas, on va se revoir bientôt. Préparez-vous, Gordon. Allez, chien, on y va. Avant que je ne change... Ok. Attention, tenez bon. Oh. Fou. Ah, bien lancé, chien. Allez, mon chien, vas-y. Ça va aller. Il faut... Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh. Une seconde. Avant la prochaine dégringolade, hein. Oh, merde. Nous sommes vraiment en train de s'écrouler.